Merci Irena, merci le ministère d'organiser cette journée. Je voudrais m'adresser aux profs, pas qu'aux profs, aussi aux acteurs éducatifs du monde associatif, pour revenir sur quelques notions qu'on a abordées ce matin. La nécessité du temps long pour cet enseignement, c'est vrai que on vient de le voir avec ce témoignage, le temps long, c'est ce qui parfois existe pour certains profs, mais pour la plupart manque. Nos enfants ont changé aussi, beaucoup. Ils ont tous un mini ordinateur dans la poche et ça change la donne aussi. Donc vous devez trouver de nouveaux ressorts, de nouveaux moyens pour accaparer leur attention, ce qui est parfois compliqué. Et donc, la Fondation Auschwitz, comme le Centre communautaire laïque juif David Suskind, ont une offre pédagogique pour vous. Ça ne remplace pas du tout votre travail, c'est plutôt pour accompagner votre travail, pour soutenir votre travail. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Donc voilà, je vous invite à visiter notre site internet. C'est un programme, la MJ dit non, qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années et qui est actif dans l'enseignement secondaire comme dans l'enseignement primaire depuis 2006 et dans toute la fédération Wallonie-Bruxelles. Surprise, on retrouve Paul Sobol qui a été particulièrement actif ces 20 dernières années. Paul a longtemps témoigné auprès des publics qui venaient au CCLJ. On va le retrouver un peu plus loin dans ce PowerPoint. C'était un témoin exceptionnel de par la qualité pédagogique, mais en même temps, c'était un témoin très particulier parce que juif et parfois avec des propos antisémites. Donc voilà, le témoignage ne fait pas tout. La haine, je dis non, c'est un programme qui s'intéresse aux crimes de génocide du XXe siècle, tous les crimes de génocide. Et donc, comme vous, nous faisons le pari de mettre les jeunes face à l'histoire de ces crimes pour interroger leur responsabilité citoyenne, mais aussi leur capacité d'être humain. Là, je vais plutôt vous présenter ce qu'on fait dans le cadre de l'histoire de la Shoah. Je remercie le monsieur ce matin qui a évoqué l'absence. Moi, je dirais que l'enseignement de l'histoire de la Shoah, ça va de pair avec un travail d'histoire, mais aussi un questionnement philosophique. Parce que s'il y a bien une chose qu'on ressent en Pologne, c'est l'absence, c'est le vide. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce vide? Et puis j'ai envie de vous dire aussi qu'il faut être humble. Il faut être humble dans la compréhension de ce crime. Parce que plus on l'étudie, plus on se rend compte qu'on ne sait rien. Et donc c'est un apprentissage très long et très difficile. Donc qu'est-ce qu'on vous propose à vous, profs? Eh bien, c'est d'inscrire vos élèves à des matinées ou à des journées au CCLJ. Et je dirais que la CCLJ Touch, c'est qu'on va rencontrer vos élèves d'abord dans votre école. Ce qui permet déjà de déconstruire pas mal de choses. Ce qui permet de déconstruire notamment le génocide des Palestiniens, par exemple. Et d'interroger ce que c'est que l'identité, tout simplement, de tenter de comprendre finalement un être humain, pour que il est fait de quoi? Est-ce que cette identité, elle est unique? Est-ce qu'elle est multiple? Voilà. À côté de ces matinées ou de ces journées, on organise des journées mémoire, parce qu'il est, à notre avis, effectivement indispensable de visiter ces deux lieux, que sont le musée mémorial caserne d'Ossun et le fort de Brendonck. Et puis, nous sommes aussi à votre disposition pour accompagner vos projets, c'est-à-dire rencontrer vos groupes, partager notre expertise, nos connaissances, nos ressources. Là, j'ai mis la photo d'un groupe. Il y a des jeunes quand même qui ont des projets incroyables. C'est la Maison des jeunes de Soigny. Johan est aussi intervenu là. C'est des jeunes qui, tout à coup, ont été voir leur coordinatrice en disant que en fait, ce qu'ils avaient envie de faire, c'était d'aller à Auschwitz-Birkenau. Et donc, il y a un vrai travail d'histoire et de mémoire qui a été réalisé avec ces jeunes. Et donc, vous voyez, la Fondation Auschwitz est intervenue. Nous sommes intervenus aussi. Voilà. On est vraiment là pour ça.
On a des outils pédagogiques, on a 4 expos. Alors on a déjà évoqué Simon. Simon qui est plus pour un public, je dirais, assez jeune. Et donc on a reproduit le livre que sans doute vous connaissez en format livre géant. On a une expo sur les destins d'enfants juifs survivants en Belgique occupée. Et donc vous voyez quels témoignages sont proposés. Et donc on a découpé en fait chaque témoignage avant, pendant, après la Shoah. Un petit exemple très chouette d'un travail d'histoire et de mémoire de la Shoah réalisé par une classe de primo-arrivants à Anderlecht qu'on a accompagné et, pour les 50 ans mémorial à Anderlecht, on en a fait une expo. Et puis, on ne peut pas faire l'impasse, si on veut enseigner l'histoire de la Shoah, on ne peut pas faire l'impasse sur l'histoire de l'antisémitisme. Parce que pour comprendre l'antisémitisme nazi, il faut d'abord comprendre d'où vient cet antisémitisme et pourquoi est-ce qu'il a atteint ce paroxysme dans les années 30. Et donc on a un nouvel outil, c'est une expo qui se veut interactive et multimédia et qui manque pas d'humour, parce que quand même, on va pas se mentir, il y a beaucoup de classes dans lesquelles on arrive, on dit « Quoi, on va encore nous parler des Juifs ?» Donc là aussi, il faut travailler ce discours-là, comment le questionner. Bref, donc je vous invite, donc ces expos, elles sont disponibles gratuitement. Vous devez juste venir les chercher et nous les ramener au CCLJ, voilà. On a parallèlement à ces expos des dossiers pédagogiques que vous pouvez télécharger sur notre site. Et puisque dans 2 jours, on commémore les victimes de la Shoah, on a un événement au CCLJ après-demain sur cette histoire particulière, la rafle des disparus de Gatit-Gamont, donc un pensionnat à Woluwe-Saint-Pierre qui a reçu malheureusement la visite de la CIPO-SD le 12 juin 1943 et la plupart des enfants et des adultes qui étaient cachés dans cet institut ne sont pas revenus. Donc ça, c'est un dossier pédagogique que vous pourrez bientôt télécharger sur notre site. On retrouve Paul, et on retrouve Paul avec quelqu'un avec qui nous avons également énormément travaillé, c'est Sophie Rechtmann-Granos. Dans les années, je pense que c'était en 2012, on s'est beaucoup inquiété effectivement tous de la disparition des témoins, comment est-ce qu'on allait transmettre sans les témoins. Donc on s'est dit, on va faire un film qu'on va découper en séquences. Alors ce film, il est disponible au CCLJ. C'est une collaboration d'ailleurs avec la Fondation Auschwitz et on a choisi 2 portraits, Paul, déporté à Auschwitz-Birkenau, et Sophie, enfant caché à Bruxelles. On revient sur l'histoire de Sophie. Vous savez que pour aborder la question de la discrimination des Juifs en Belgique occupée pendant longtemps, le seul support, je dirais, littéraire jeunesse qui existait, c'est Simon le petit évadé du 20e convoi. Nous, on avait aussi envie de raconter une autre histoire, moins, extraordinaire que celle de Simon, parce qu'il faut quand même bien dire que l'histoire de Simon est extraordinaire. Un enfant qui a réussi à sauter d'un convoi qui partait vers Auschwitz-Birkenau, c'est extraordinaire dans l'histoire de la Shoah. Et donc on a plutôt choisi de raconter l'histoire d'une enfant cachée, ce qui a été quand même le sort de la majorité des enfants qui ont échappé à la catastrophe, c'est-à-dire qu'ils ont trouvé refuge chez des non-juifs qui ont pris le risque de les cacher pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ce livre jeunesse permet d'aborder la discrimination des juifs en Belgique occupée. Donc à partir de ce livre jeunesse, on a créé un module d'animation pédagogique. La première animation s'appelle « La valise de nos cultures » qui permet de revenir sur ce que c'est l'identité juive, mais aussi de voir un petit peu de quoi se composent les identités de chaque élève de la classe. Puis il y a une lecture collective du livre et puis il y a un jeu qui pose des questions d'histoire, mais aussi des questions philo sur le vécu de Sophie et qui s'appelle « Sophie jouer pour mieux comprendre ». Après la création de ce module pédagogique, hop,
une valise est apparue. Voilà, ça c'est la valise pédagogique de Sophie l'enfant caché, qui permet en fait, qui est vraiment un outil clé en main pour les profs, pour enseigner. C'est une introduction à l'histoire de la Shoah, on va dire, hein. C'est un premier pas. Beaucoup d'objets figurent dans cette valise qui vous permettent en fait d'aborder cette histoire. Voilà, c'est vraiment un chouette outil, assez complet, totalement complet. Et donc il y a des formations au CCLJ, il suffit de regarder sur notre site quand ont lieu ces formations et vous repartez avec une valise. Et cette valise est complétée par une carte interactive de Kuregem, puisque c'était là que se trouvait la vie juive à Bruxelles. Et donc Sophie vivait là avant d'être cachée. Et donc, vous voyez, c'est une carte qui se trouve sur le site du CCLJ. Vous cliquez sur des chiffres et il y a des petites vidéos qui apparaissent et qui vous racontent un peu ce qu'était la vie juive dans ce quartier à proximité de la gare du Midi. Voilà, en gros, l'offre pédagogique. Et puis, on a aussi une offre de voyage qu'on a relancée depuis quelques années parce que c'était une demande de notre public juif. Mais on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des non-juifs qui voulaient visiter Auschwitz-Birkenau et que la particularité de ce voyage, c'est justement cette mixité. C'est-à-dire que c'est un voyage qui se fait avec des juifs et des non-juifs. Et du coup, l'échange, la rencontre est quand même particulier et très, très riche. Voilà, je passe la parole à Johan. Merci.